Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. Ah, il y a souvent le feu là-bas. Alors, j'ai changé de cible. Au final, je vais aller attaquer à la vue. Et j'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose. La naissance de Boadicée. Alors, c'est très tôt, je ne pensais pas qu'elle naîtrait aussi tôt. Donc là, actuellement, j'ai ma reine qui est à la tête de cette armée et je vais changer, je vais y envoyer Boadicée. Alors, j'ai pas passé de temps de tour, pourtant, on est en 206. Elle naît très tôt, très tôt. Il me semble. Ah, donc là, elle a 16 ans, je crois que c'est à 17, 18. Elle devrait pouvoir être générale d'armée. On va aller voir ça. Boadicée est désormais prête à endosser des responsabilités d'adulte. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace par... La belle est bien connue, Boadicée. Cavalier héroïque, bien évidemment. Hop, et on va réparer un petit peu quand même. Morillinon. On peut pas. Nous, comme ça, on peut pas, on peut pas. Et prochain tour, on va sur à la boue. Qu'importe le possesseur, le propriétaire. On va récupérer tout ça. Ok. Ah, on répare. On adopte la teinture, bien évidemment. Et Boadicée, ah là 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 là, ça c'est beau ça. Voilà, une bien forte guerrière. Et, alors je sais pas s'il faut mener la bataille sur le champ ou non, donc je vais... Voilà. Donc je vais le voir. On va très bien voir. Je mène la bataille, de toute façon. C'est pour éviter un peu des pertes assez lourdes. Quoique, c'est raisonnable, on va voir. Je propose d'ailleurs de la mener avec moi, hein, tout simplement. Avoir ce fameux succès avec Boadicée. Il y a toujours de la pluie, hein, c'est fou. De la pluie ou du brouillard. Hein, voilà. Oh! Et enfin un temps sec. J'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Alors, voilà. Ah, on va bombarder cet endroit-là avec mes balistes. Voilà, une formation simple, ça devrait être bon. Vitesse limitée. Hop. Je garde quelques unités ici au cas où. Voilà, mais il faut bien que je garde en tête que mon point faible, c'est ma cavalerie. Hop là. Quelques rafales enflammées. Voilà, et on s'approche. Mais tout doucement, pas besoin de courir. Hop, 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 même. Vous savez quoi? À me rester le plus en arrière possible, le plus étendu possible, donc là. Comme ça. Voilà. On s'étend bien. Ici, on ferme.
Voilà, je vois qu'ils veulent essayer de passer là. Les lanciers de Wooden, bah ils vont être un peu surpris. Voilà, ça passera pas. Hop, 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 pardon. Par contre là. Voilà, on va essayer d'éviter quand même de. Hein. Hop là. Je vois de la cavalerie qui sort. Allez, on va forcer le focus. Sur les cavaleries, là, germanique. Allez, ouais, pareil, là-bas il y a des unités. Je vais prendre mes unités de cavalerie. C'est parti. Ah, ils ont pas bien visé là. C'est bizarre, je leur ai pas dit de viser. Allez, je resserre les formations. Là-bas, on envoie notre cavalerie. Je stoppe le feu avec les balistes. Oh, quoique, bah non. Ici, c'est bon. Voilà. Comme ça va fuir tranquillement quoi. Voilà, ici les éclaireurs. Quoique ici, regardez là, ils font plus mal ici. Allez, on charge. Infanterie légère là. Regardez-moi ça, c'est parfait. C'est parfait. Ça fuit. Hop. Changement de cible. Bertrand. Bon, ils veulent pas. Ils vont pas réussir à le faire tomber. Hop, je retire le mode favon. Heureusement que j'ai retiré le mode favonté. Voilà. Et j'y envoie cette unité-là. Parfait. Derrière. Les jeunes Germains. On va se faire plaisir. Et ici. Voilà, on entoure. Ouch. Là, tout ça, on retire ça et on fait ça. Ça va bien se passer. Ah bah voilà, c'est la victoire. Reine guerrière des Icènes. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Succès déverrouillé. Un de plus. Plus qu'à gagner. Là-bas, la campagne. Hein. Voilà, plus qu'à gagner la campagne. On va piller. Ah, on capture pas la colonie. On va raser. Dans ce cas. C'est pas la même culture. Voilà. Hop. Ici ça va se reconstruire. Pas de suite. Hop. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Et voilà. Franchement. Que demander le peuple? Ah, Boadicée. C'est bien ça, Boadicée. Ah, ça c'est bien, Boadicée. Ah, je suis content. C'est vrai que d'habitude, elle met extrêmement longtemps à apparaître, donc à naître.
pour le coup. Hein. Et là, ça a été rapide. Ça a vraiment été rapide. Quoi, peut-être une cinquantaine de tours, à tout péter. Alors, moi, que j'ai vraiment passé les tours tranquillement, doucement. Il me semble plutôt qu'elle a apparu rapidement. Allez, comment ça coûte? 1600 la réparation. Bon Dieu. Ah, ce sont les Suèves, un amiral suévien, j'ai envie de dire, mais non. Je ne pense pas que ce soit ça. Et en vrai, hein, c'est un sacré morceau déjà, la Suève. Hein. Regardez, là, tout ça, je m'entends mal avec tout ça. Ça peut être bien aussi de vérifier quels sont mes objectifs. Bon, c'est un peu trop tard maintenant, mais ça aurait pu être pas mal. Voilà. Pourpre tir. Ok. Ouais, bah alors avant de construire, déjà répare. J'ai envie de dire. Oui, c'est ça que je voulais voir, les objectifs. Contrôler 8 colonies, ok. Faites en sorte qu'une faction rejoigne votre confédération. J'ai pas réussi. Et ça, c'est bon. Britannia, Calédonie, oh c'est bien. Aquitania, Suebia, ah bah j'ai bien fait d'y aller. Italie et Carthagine L6, ok. Ça me va, c'est plutôt correct. Oh la vache. Ils sont jusque là. Bon là en armée de défense, ça suffira. Ah bah y a du monde hein. On va attendre que mes armées, l'armée de garnison, soit un petit peu plus reconstituée. Et je lèverai, je pense, une petite armée. Hein. Ouais. Ah, c'est ce que je pourrais faire à la place des. À la place des termes ici. Hein. À la place du puits. C'est ce que je vais faire. Hein. Allez, ici, on répare. Et là, je ferai de quoi recruter des unités. Ce sera mieux. Voilà. Où est-ce que je vais aller maintenant? Rougion. Ou Tully-Fourdom. Tully-Fourdom, c'est pas mal. C'est une place qui est fortifiée. Donc j'aurai moins besoin de la défense. Allez, tu sais quoi, direction Tully-Fourdom. Mais vu que je vais là, je vais envoyer mon espion à Tully-Fourdom. Bah forcément. Il me faut la vision au minimum, quoi. Ok. Les frisons, ouais. Je vais en avoir pour quelques tours de trajet, mais bon. Hop, logement des artisans, parfait. D'ailleurs, je vais me mettre plus ici. Ça me permettra de voir si jamais il passe là, tout là, vu que là je bloque. Ce sera mieux, je pense. Parce que là, mine de rien, il faut du temps pour y aller. Hein. Il faut bien 2 tours. Ok, ok. Hop, voilà, 2 tours, mais en marche forcée. Hein. On arbitre. Ah, j'aimerais bien désigner. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. D'ailleurs, je vais la marier. Bonus de charge, parfait. Ça en aura les descendants de Boadicé. Ça c'est pas mal. Allez, faites-nous des bons gamins là.
Ah, les collecteurs d'ambre. En plus, ça rapporte bien, ça. À l'ombre, c'est... C'est une bonne source de revenus. Automne. Ah, on va arriver en plein hiver sur tous les fjords. On va voir ce que ça va donner. Je vais pas demander à... Et il est là, il s'est perdu. Il s'est totalement perdu le jeune guerrier. Allez, on attaque. Mais si, on peut. Je l'amène sur le champ. Oui. Allez, on va leur faire perdre, on va leur faire des pertes, voilà. On va casser les murs avec la. Avec nos balistes. Le reste devrait y aller tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange comme ville. Intéressant, hein. Intéressant. Je sais pas où me mettre. Vache, c'est de la hauteur. Voilà, c'est pas mon avantage. Le seul point qui est plus ou moins mon avantage, ce serait là. Quoique c'est encore un peu en hauteur. Ou sinon ici, c'est là que ça va être le mieux. Le moins pire, au choix. Hop, rafale enflammée. Ici les unités de siège, mais bon, honnêtement ils vont pas y en avoir besoin. Et la cavalerie derrière, pas besoin de plus. Hop. Et donc ils doivent avoir froid aux pattes les pauvres. Avec de l'eau bien gelée là. Et bon, ça fait le café. Alors le point principal il est où? Il est ici. Ok. Voilà, le but c'est, j'espère que toutes ces unités vont se tasser un peu ici. Qui dit elle se tasse dit plus de pertes. C'est tout. Voilà, maintenant j'avance comme ça, mais tranquillement. Quoique, on est en contrebas, hein, donc hop, hop, hop. Ah ouais, je peux vraiment pas tirer là. Je suis trop bas, je crois. C'est pas grave, on va redéployer, hein. Ouais, stop. On va déployer ici, du coup. Hein. Petit déploiement un peu mauvais, de ma part. Les corbeaux ils sont déjà là alors qu'il n'y a aucune victime. Ah c'est bien, ça flotte ça. Allez, je pense que comme ça suffira. S'ils veulent bien. Ça y est, ça commence à tirer, parfait, c'était juste ce qui manquait. Plus j'ai la portée, j'ai pile ce qu'il faut. Voilà, ça fait des victimes là. Les tours à flèches elles prennent pas, c'est dommage. Ah si, voilà. Voilà, si je peux taper aussi un peu les tours à flèches, c'est pas si mal. Oh la vache, ça tire haut. T'imagines, toi, tu vois ça là à l'époque? T'es pas bien, hein?
Tiens, il y a des troupes ici. Du coup, les murs ne prennent pas beaucoup de dégâts. J'ai peut-être bien joué avec, avec ça finalement. On va rapprocher, voilà, tranquillement. Ah? Ouf! Oh, ça secoue là. Hein. Ça secoue bien. Eh ouais, regardez sa touche là derrière, c'est magnifique. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est tirer ici. Essayer de changer un peu là. Waouh, regardez. Et là, avoir les corps qui s'entassent. Il y a du monde. Ah, il n'y a plus personne. Ah, si, j'ai rien dit. Ils étaient planqués. Hop, là je veux les faire disparaître et je veux faire un trou dans le mur en plus. Ah bah c'est parfait ça. C'était pas prévu mais c'est parfait. Bonjour. Coup dur. Voilà, vidons les munitions tranquillement. De presse, au contraire, on fait de la victime, c'est beau. Hop, occupons-nous des jeunes germains, ce sera toujours ça de prix. On va même tirer ici, tiens, c'est bien ça. On pourrait tirer là-dessus. Ok, les murs ils prennent. Ouais, pas ça. Forcément, après ils sont plus loin, ils sont moins précis. Oh, purée. Ouchka. Regardez là, tous les. Pas mal de victimes qui sont derrière là, des dégâts collatéraux, on va dire. Ah, il y a tout ça, c'est magnifique. Ah, il est en retard. Oh, le pauvre. Regardez les pauvres là qui se prennent des tirs perdus. Ah, bah voilà, il y en a qui apparaissent. C'est exactement ça. Allez. Ah, la tour à flèche, elle tombera pas, hein, j'ai l'impression. En même temps, c'est tellement difficile à viser. Ah, voilà, et puis on laisse le feu libre pour la dernière. Oula. Alors, sur qui ils vont décider de tirer? Ok, un peu là, un peu là. Ah! J'ai pas vu. 86 de dégâts le mur. Ah, j'ai plus de munitions. Oh, ça va pas tomber, c'est pas grave. Le moral est en berne. Hop, extrêmement peu de munitions restantes. On s'approche encore. Voilà. Oh, il est tombé le mur. Profitons-en.
On va ramener nos unités. Oh, 18 unités restantes. C'est chaud. Chasseur à arc long, ok. C'est lui là? C'est quoi qui a tiré? Oh, c'est forcément eux. Bon, ils peuvent tirer là, ça m'intéresse pas trop. Je les ferai aller là, c'est pas grave. Ah, je peux pas. Bah, j'ai bien fait de faire un trou dans le mur parce qu'apparemment ça passe pas. Allez, avec cette unité là, on abandonne les équipements. Et là, on va tout simplement avancer. Voilà, comme ça, jusque là-bas. Je pense que je peux les laisser en marche pour l'instant. Plus longtemps je les laisserai en marche, moins ils fatigueront. Ok, là, ils ont commencé à tirer, voilà. Ah bah eux ils sont dit tiens on va y aller et puis là ils sont en train de dire ah c'était pas une bonne idée. D'ailleurs on va faire approcher le général, ce serait pas mal pour le moral. Attends, regardez c'est la queue là. À la queue là. Allez les gars on pousse. Je vais également porter ma cavalerie. Hop, je vais les laisser sur le côté. Ici c'est bien. Ouais, les porteuses de boucliers là. On va finir vite fait. Non, il y a la cavalerie là-bas. Cavalerie qui arrive. Mais je sais pas comment ils vont passer là, mais il va falloir. Allez. Ah, bah la cavalerie, elle passe, hein. Je sais pas comment elle fait. T'inquiète, Britannia, il te protège bien. N'aie pas peur pour ça. Ah là, la cavalerie, elle est bien. Ouais, forcément, elle est un peu ralentie quand même. Hop, là on va dire toutes les unités au corps à corps à pied sur le général. Ah ouais, je me fais tirer dessus forcément par ça. Voilà, là c'est la débandade pour ces unités-là. Pas que je me fasse rattraper par eux. Voilà. Heureusement qu'ils sont pas venus, j'aurais eu des pertes un peu bêtes. Ok, je vais pouvoir faire ressortir ma cavalerie. C'est ce qu'ils craignent le plus. Donc on va attendre. On va l'emmener, on va la sortir.
Et on va ramener nos unités corps à corps à la place. Voilà. Là, il nous voit, il sait pas trop quoi faire, hein. Ce qui est normal, hein. Attends, tu vois tout ça qui arrive, toi, t'es ça. Là, tu dis, ils sont beaucoup, là, quand même, non? Et tu fais, oui, ils sont beaucoup, effectivement. Hop, on déborde. Et c'est terminé. Ah, c'est une autre grande victoire de Boadicée. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu le plus? Les unités de Bretard, ça me va. 63 unités. 3% de mon armée. J'ai dû perdre une petite dizaine de moins que prévu. Enfin, que le minimum par résolution automatique. Et on occupe. On a les mêmes types de bâtiments. Très bien. On va faire ça. Ah, je lui ai pris un bâtiment, mais bien. Bien fortifié en plus, quoi. C'est parfait. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura quand même réussi à prendre à la bue, à la boue, je sais pas, et Tullifurdum aux mains des Suèves, qui sont bien étendus, les Suèves. Hein. Les Suèves et leur allié, là, les Illuviens, ils sont bien étendus. Hein. Et bah, on va continuer sur cette belle lancée. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Job. Ciao!